Bambala. Allez, c'est parti. Celle d'Orlan d'abord. Orlan. Cette femme impulsive et franche, c'est ce qu'elle veut. S'il veut aller plus loin, il devrait être prêt à s'engager et à l'épouser. Ah ouais, elle a pas le temps la cousine. Marier et fonder une famille. Avec Kevin, dont elle est tombée amoureuse virtuellement il y a 5 mois, elle pense avoir trouvé l'homme de sa vie. T'imagines frère, tu tchatches avec une meuf 5 mois sur les réseaux, tu la vois en vrai, elle te dit marie-moi enculé. Elle est tellement sûre de ses sentiments que lors de leur premier rendez-vous, elle va carrément lui demander de l'épouser. Ouais, je fais baisse encore, c'était fort. Dylan, de son côté, vit une histoire virtuelle passionnée depuis 9 mois avec Sydney, une brillante juriste. Ouh. Mais pour aborder la jeune femme et qu'elle s'intéresse à lui, Dylan lui ment. Il a peur que ce qu'il lui cache ruine qu'il lui a dit parfaite relation. Qu'est-ce qu'il lui a dit, ce zèbre? Mais on commence tout de suite avec Jessie. Jessie. Ah, je pensais que c'était une meuf. C'est vrai, hein, ça peut être un prénom de meuf ou de mec, hein, Jessie. C'est normal, puisqu'il est connu sous le nom de Jessie Matador. Après plus... Hein? Qui le connaît? Vous savez qui c'est, Jessie Matador? Sur Tube, il a même représenté la France à l'Eurovision en 2010. Ah oui. Et vous savez quoi, ça m'a tellement pas marqué que j'en ai aucun souvenir. Je suis désolé, Jessie, tu es un bon gars. Hein. On t'embrasse, hein, mais c'est vraiment, ça m'a pas marqué. Hein. Jamais entendu ça de ma vie, en 2010 en plus, c'est pas... Bon, ça commence à dater, mais genre en 2010, j'étais en âge d'écouter, tu vois, l'Eurovision et tout. Voilà, c'était plus une époque où je mangeais mon caca. Sa notoriété l'a beaucoup aidé à séduire. Quoi, vous mangez pas votre caca quand vous étiez petit, genre entre 2 ans et 8 ans? Si j'avais pas été artiste, je pense que 98% des femmes avec qui j'étais, j'aurais pas été avec elles. Ah. Parce que quand on te connaît, c'est facile d'être avec quelqu'un. Ah. Le problème, c'est que ceux qui s'intéressent à moi, forcément, ils veulent... Ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Aujourd'hui, tout est différent pour Jessie, car il se prépare pour son rendez-vous avec celle qui pourrait enfin l'aimer pour qui il est vraiment. Ah. Moi, j'étais à Bordeaux comme elle, et sur les réseaux sociaux, il y a le hashtag Bordeaux ma ville. Et qu'en suivant le hashtag, je tombe sur elle. Donc du coup, bah tiens, je te follow back, et puis ça commence un peu comme ça. Et j'ai vu qu'elle avait pas fait le rapprochement entre moi et l'artiste. Ah. Parce qu'elle connaît mes musiques. Comme beaucoup de gens, je pense quand même, Jessie, hein, parce que ça date un peu. Parce qu'elle m'apprécie, mais elle a pas fait le rapprochement en mode c'est moi, Jessie Matador. J'ai des sentiments, je suis attaché à elle, bien sûr. Sinon, je serais jamais venu. Bien sûr. Il sait ce qu'il veut, le Jessie. Hein. Mara, c'est ce qu'il veut. Elle a vraiment craqué sur lui, car plusieurs événements l'ont fait douter. Aujourd'hui, je suis venu pour rencontrer Sophia, parce que c'est vrai Oui, frérot, si tu me dis que tu es venu pour rencontrer ton gardien d'immeuble, on comprend plus l'émission, ça n'a plus de sens. On s'est loupé, on était dans la même ville, on s'est pas vu. Et à chaque fois qu'on faisait voir, il y avait un problème. J'ai fait un brunch, j'ai tout fait. Elle m'a dit, ouais, je viens. Mais elle est pas venue. Qu'est-ce qui lui fait peur? Le fait que je sois connu? Ou le fait que j'ai connu beaucoup de femmes dans le passé? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai besoin de savoir. Non, ici, elle peut pas me rater. Tu vas pas fuir, on va se voir ici. Ça fait un moment que t'as pas fait des vocalises, Jessie Matador. Non? Ça fait un petit moment, je pense qu'il y a... T'as perdu un peu l'XP, là. Lui fais pas cette chanson, en tout cas, Jessie, si tu veux l'emballer, hein. Et vite. J'ai même pas de montre. Ah, je crois qu'il allait sortir une montre de sa poche. Il a une montre de secours. Et... Ah, ça commence bien, cette histoire. Des fois, peut-être le réseau connaît. Mais pourquoi tu veux l'appeler, frère? Elle va venir. Allô? Soso, ça va? Ça va, et toi? Ouais, cool. Je voulais dire un truc, c'est que je suis désolée. Ouais. Je m'excuse, mais je vais pas venir. Quoi? Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Bah, écoute, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette clim? Mais qu'est-ce que c'est cette clim? Mais c'est les gens... Hein, elle lui a raccroché au nez, mais c'est fou! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est une blague. Jessie Matador! Non, c'est pas une blague. C'est horrible. Je comprends pourquoi pas. Oh! C'était un prank. Oh. C'était un prank. C'est quelle blague de mauvais goût, ça? Je te l'ai fait. Il a le seum. Ça va, quoi? Ça va, et toi? Ça va bien? Ouais. Elle a l'air très contente d'être là. Je sais pas si c'est la suite du prank, mais... Bon, tiens, cadeau. Merci beaucoup. Il a aucun tag. Tiens, cadeau dans ta gueule, tiens. Avale les roses, tiens. Elle est classe. Elle a mis sa robe noire comme une guitare acoustique bien accordée. Comme une guitare acoustique bien accordée? Une robe noire? Qui a déjà vu
une guitare acoustique bien accordée portait une robe noire. Quel est le rapport ? Je suis intimidée. Alors à la base, c'est pas du tout d'être dans mon... Technicienne de cils ? Elle fait la maintenance des cils des gens ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? Elle fait des révisions sur les cils ? Elle fait des vidanges sur les yeux des gens ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce que c'est ce métier ? Elle a un master en cils ! Technicienne de cils ? On n'a jamais entendu ça. Le caractère d'être timide, tout ça, parce que quand on se parle, c'est fluide. Mais le fait de le voir là, en vrai, ça me fait quelque chose. Tu te rappelles le brunch ? Alors pourquoi il avait mis un plan au brunch ? J'ai fait un brunch, ouais, je viens, t'es pas venu. Je sais. Et pourquoi ? Là, il me reparle du brunch. Il a peur qu'elle cache quelque chose, qu'elle annule tout le rencontre. Je suis pas venue. Ça me bloque un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Parce que même si je suis contente de le voir, j'ai besoin qu'on parle de quelque chose d'important pour oh, moi. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir, la Sophia ? T'avais peur, t'avais eu appréhension ou... Qu'est-ce qui ronge à ce point Sophia ? Mais qu'est-ce qui la ronge ? Pour l'amener à annuler depuis 9 mois toute leur première rencontre. Il y a l'air d'avoir une sale ambiance par contre là. Non, parce qu'il était rieur depuis tout à l'heure, mais regardez, ça tire la gueule. Hein. Même le barman qui est derrière d'habitude, il s'est barré. Hein. Il a pas pu subir ça. En cause, leur belle relation. Orlan, la voici qui se prépare pour son rendez-vous amoureux avec Kevin. J'ai rencontré Kevin il y a 5 mois, enfin rencontré entre guillemets, oui. Sur un réseau social de couple. C'est un réseau social de cul pour avoir du cul. J'ai téléchargé l'appli, j'ai eu beaucoup de matchs hein, quand même. Oh bah alors, on plaît aux garçons, on plaît à la jante masculine. Et alors après Kevin il est sorti du lot. Le premier message c'était, qu'est-ce qu'une jolie fille fait sur cette application-là. Oui, donc il t'a mis une disquette terrible. Il t'a mis une disquette angoissante. Excusez-moi, mais c'est la pire disquette. Non, c'est la... qu'est-ce qu'une aussi belle créature que toi fait sur cette planète Terre ? Et c'est fou. Tu descends... ton père serait pas astrologue, il t'a ramené des étoiles ? Non, mais sans déconner, il lui a sorti 7 disquettes. C'est la pire disquette. Les rencontres virtuelles, c'est un peu plus facile parce que tu as pas la personne forcément devant toi, donc tu peux te dévoiler. Ouais, et puis surtout, tu appuies sur un bouton, tu lui parles plus jamais de ta vie. Ce qui ne peut pas se passer si tu as la personne en face de toi. Vraiment charmeur, petit sourire, dents blanches, les yeux clairs. Et ben voilà. Je le trouve super beau à travers les photos, à travers les visions. Dents blanches, elle va pas nous dire gros chicot pourri sa mère, vraiment des trous dans chaque dent, un régal. Le mariage, c'est pas forcément dans les priorités de Kevin, c'est pas forcément important pour ouais, lui. Ouais, bah surtout au bout de 5 mois de relation, quoi, virtuelle. Pour construire quelque chose ouais avec un homme. Et moi, je peux vous dire un truc. Le mariage, comment j'en ai rien à foutre. C'est un truc de fou, hein. Genre, je pense que je me marierai, tu vois. Mais genre, c'est pas du tout un truc qui, pour moi, est au milieu de la relation, tu vois. Ouais, c'est bien pour les impôts, quoi. Oh ! Ça va ? Ouais, BG, le Kev ! Oh ! En bas, là ! En bas ! Combien de routes pour te mettre KO ? Ah oui, mais c'est signé, là ! Ah mais c'est bon, mariez-vous, hein ! Ça y est, tu me plais, je t'embrasse, moi c'est bon. Ah oui, non mais d'accord. Bah, hein. Direct, je te fais la bouche, je te fais un bisou ici, c'est bon. Non, c'est bon. Allez, je t'embrasse, mais... Je te mets ma langue dans la chebouille et je te fais le mixeur, mon frère. Je te fais un milkshake. Non, ça va. De toute façon, elle veut le marier, donc effectivement, il vaut mieux s'embrasser direct, hein. Faut y aller, quoi. Vraiment charmeur, il rayonne. Il rayonne, c'est un petit soleil. Je fonds une glace. Une glace, elle a fondu comme ça. Ah ouais, ça ressemble à ça, une glace fondue, effectivement. C'est ce que je recherchais, Zana. T'es très beau. Ouais, le dévore du regard, hein. Elle a envie de lui manger la galette saucisse, hein. Faire rougir à force. T'as les mains douces. Oh, c'est mignon. Tu t'es coiffé, tu t'es fait tout. Bah oui, il allait pas venir, il allait pas sortir de son lit, mettre un peignoir et arriver. Heureusement, il a envie de te foutre. Oh, bien sûr qu'il s'est fait beau. Ses mains, voir la douceur de ses mains, son odeur et tout, c'est plus fort que moi. Ok. Bah fais gaffe, hein, lui fait pas non plus un étranglement. Hein. Tourne. Vraiment ça. Oh, ça y est. Ça commence. Ah oui. Ah, elle lui a touché le huc. Mais comment ça? Attends, mais elle a très très faim là. Sans déconner. J'ai des sentiments extrêmement forts. Ah bah oui, bah tes mains en ont témoigné. Hein. Tu lui as attrapé le cul comme un morceau de blanc de poulet, sans déconner. J'ai jamais connu ça de ma vie. Papillon qui commence à monter, le cœur il s'agite. Ah ouais, elle veut le dévorer. Hein. Tout je entier. Je peux t'enlever hein les épines quand même. Oh, j'ai eu très peur. Je peux t'enlever le slip là? Qu'on y aille, j'ai pas de temps à perdre, je vais te marier, donc sors-moi le brochi, quoi. J'ai très très peur, hein. Non. Hop, 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 hop. Elle donne-leur la clé, hein. Je crois que je suis amoureuse.
Ça ah ouais, trop bizarre. Mais donnez-leur la clé là, sans déconner. Je suis amoureuse d'un mec que j'ai jamais vu. Bah oui, mais vous parlez depuis 5 mois quand même. J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, de fonder ma famille, et je pense que c'est avec toi. J'ai pas l'impression qu'ils soient aussi réceptifs à l'idée quand même, hein. Non mais ça, ça fait peur de ouf. Je veux bien que tu veuilles du sérieux, mais tranquille cousine, tranquille, c'est la première fois que vous voyez. Faites votre vie, vivez ensemble, voyez si ça match et si ça continue, ben vas-y, en avant les histoires, tu vois ce que je veux dire. Autoroute à 9, route du bonheur, on y va, let's go, les enfants, on en fait 28, le mariage, tu peux te remarier 6 fois aussi si tu veux, dans tous les pays qui, du monde, mais tranquille. Je vais te demander de prendre ton téléphone. Quoi ? Je me demande tout de suite si elle veut fouiller mes messages, qu'est-ce qu'elle veut. Elle ouvrira le calendrier dans 2 ans. Ah ! Et noter la date de notre mariage. Non, c'est trop. Non, la fille de ma mère. La fille de ma mère, c'est trop. Oh, elle fait peur. C'est une prise d'otage. Moi, la meuf, elle me fait ça. Je lui dis, écoute, tu sais quoi ? Dans 2 ans, tu noteras que tu iras bien te faire enculer. Non, mais sans déconner. C'est fou. Non, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est, ça ? Pas sûr que le jeune homme soit prêt à s'engager aussi vite. Oh, elle m'a fait rep. Même moi, j'ai la pression. Même moi, je la connais pas, je dois pas me marier avec elle, j'ai eu un peu peur. Anne pourrait bien redescendre très vite de son nuage. Dylan, le voici qui se prépare pour son rendez-vous amoureux. En condition avant physique, de rencontrer pour la première fois la personne qui le fait craquer virtuellement. J'adore les femmes, moi. Ah ouais, il aime la baise, lui. Un peu trop, peut-être. Il aime le cul. Mais depuis qu'il a rencontré Sydney il y a 9 mois en ligne, Dylan n'est plus le même. Tout a changé. J'ai vu sa story, j'ai bloqué. J'ai dit, ah ouais, ouais, elle est jolie quand même. Hein. Donc du coup, après, j'ai regardé son profil. Elle est jolie quand même. Elle avait un bon travail, où il faut avoir fait des longues études, etc. Je dis, ça va me changer d'habitude, je vais parler à quelqu'un qui a de la discussion. Ça veut dire, il faudra que des meufs qui n'ont pas de cerveau, là, c'est ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un qui a beaucoup de sujets de discussion. J'aime pas mentir, je suis pas quelqu'un qui ment de base. Ok. Mais là, c'était plus pour pouvoir l'accrocher. Je me suis dit, si je fais pas ça, elle me parlera pas. Quand je l'entends arriver, j'ai vraiment ce son-là qui est venu dans ma tête. Ça fait, ah ouais. Quand je l'ai entendu arriver, j'ai vraiment ce son-là qui est arrivé dans ma tête, ça fait « ah ouais ». Le mec, il entend une meuf marcher, il dit « ah ouais ». Ah ouais ». Ah ouais ». La réaction de Charo ultime. Ah ouais, ouais, ouais. Ça va et toi ? Ça va. Oui, ça va, super. Oh, bah, le bisou, il est très à l'aise, il est très à l'aise. Beaucoup trop. Le bisou sur le front, il est très à l'aise. Je te jure, je suis arrivé, j'ai fait il lui a dit, il s'est fait ah ouais. Feeling, il est là, on s'attrape dans les bras. Jamais de ma vie, je suis comme ça, moi. Jamais de ma vie, je suis comme ça. Alors que le mec, il a dit que c'était un turbo charo. Mais pas à nous, frère. C'est pas nous que tu dois emballer, hein. Ça sert à rien de nous mentir à nous, frère. Hein. Alors respecte-nous. Là, je me dis, impossible que je la revoie plus. Là, je fais en sorte que maintenant, c'est mon objectif, qu'elle reste tout le temps avec moi. Tu me juges pas sur mon passé. Ça, j'apprécie beaucoup. Ouais. D'habitude, c'est tout le temps ce qu'on me dit. Ouais, machin, les filles, mais c'est fini. C'est enfin, après, t'as quand même beaucoup de nanas. Toi aussi, t'as des filles. Mais t'as des mecs, pardon. Oui. En fait, les deux, je sais pas. Comment ça ? Entre guillemets, oui. Moi, amoureusement, j'ai pas beaucoup d'exemples. Pas trop fruit de mer, apparemment. Ouais, bah oui, je sais, tu m'as déjà dit, mais du coup, bah, ça, j'aime bien, tu vois. Je préfère ça qu'une fille que. Qui est passée sur ton Marseille. Il passé, ouais. Et y a que le train qui lui est pas passé dessus. Oh non, le cauchemar, t'as vraiment dit ça. C'est son côté charo qui ressort, ça. Ah, c'est sûr, c'est pas la meilleure façon d'approcher une fille. C'était pour détendre l'atmosphère. Il a dit ce qui est bien avec toi, c'est qu'il n'y a pas tout Marseille qui t'est passé elle a dessus. Quand même. Aïe, 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 aïe. Sans le malaise. Ouais, bois. Oh, le changement d'expression. Ouais, t'inquiète. Il a aspiré son truc, frérot, c'est un Dyson. Parlons peu, parlons bien. Le travail, Dylan. Ça va ? À quoi ressemble ta journée ? On est là, hein. On est là, t'as vu, on fait de l'import-export, un peu sur du textile de luxe, des produits un peu rares, un peu recherchés, on est là, quoi. Parce que souvent, quand on se parle, t'es tout le temps hyper... Il est au chôme du, c'est sûr. Il pointe tous les mois au Pôle emploi. Et il a dit, ah, t'inquiète, on est là, t'as vu, j'ai une succursale à Dubaï. Voilà, j'ai ça avec des amis, on est un petit peu dans le business, on a monté une SAS et tout, on fait du biz. Tu parles pas forcément beaucoup de travail, quoi. Le chômage. Genre moi tu vois j'aime pas mentir. D'accord. Ouais, d'accord. On va dire j'ai un peu caché la vérité. Tu me stresses.
On retrouve Jessie Matador et Sophia qui entretiennent une relation virtuelle depuis 9 mois. Ah oui, c'est vrai qu'elle devait lui dire pourquoi elle annulait tout. Qu'est-ce qu'elle va lui sortir comme disquette? Je me sens stressée, je me rends compte que j'ai du mal à me mettre dans le date. J'ai des craintes et ça se voit à sa tête depuis tout à l'heure, hein, sans déconner, elle est froide. En ce qui te concerne, moi, j'ai des appréhensions. En fait, au début, j'ai pas vu que t'étais connue. Mais après, quand j'ai vu que t'étais un petit peu connue, ça m'a gênée. Mmh. Dans le sens où ça me fait un peu peur. Je me suis dit, ça se trouve, je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui trompe, c'est... Oh non. Mais oui, tu vois. Aïe, je sais même pas quoi dire. Il va falloir être bon, Jessie. J'ai tellement l'habitude de ça, j'ai fait des sales bêtises. Ah. Mais j'ai acquis de la maturité, j'ai grandi, je suis plus comme avant, j'ai vraiment fait un gros travail. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas sûr que ça va la rassurer. Non, moi, je cherche une vraie relation, tu vois. Une femme. Et après, je pensais qu'en venant, en le voyant, mes craintes, mes doutes allaient s'envoler. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ses émotions, c'est ça. Là, c'est quand elle est heureuse. Là, c'est quand elle est triste. Là, c'est quand elle a faim. Là, c'est quand elle a sommeil. Je vais pas la rassurer éternellement. Bah oui. Ça, c'est un travail qu'on doit faire soi-même. Le problème, c'est que s'ils se mettent ensemble et qu'un jour, il lui dit « Bah voilà, on est ensemble depuis un moment, on est heureux, j'ai envie qu'on se marie », le problème, c'est que sa réaction, ça va être ça, quoi. Et ce soir, symboliquement, on va pas repartir ensemble. Je pense qu'il fallait qu'on se voit pour savoir et pour avoir le truc, tu vois. Bien sûr. Il va la bloquer, hein. Il rentre chez lui, la bloque. J'aurais pu faire semblant, mais je veux plus promettre des choses que je ne pas tenir ou m'engager dans des choses que je ne ferai pas. J'ai besoin de prendre mon temps pour avoir vraiment confiance. Et ça ne se fait pas. Ma cousine, elle prend la vie pour avoir du temps. Je te raccompagne au taxi. Allez, let's go. Je te raccompagne au taxi, tu rentres chez Watt. On se parle plus. Allez, super. Ouais, mariage. Elle lui épelle le mot et tout. Bon. Mariage avec moi. Dans 2 ans, sinon je te tue. Tu peux écrire ça dans ton agenda, mon chéri, s'il te plaît? Merci. Ça te va? Sinon, je te séquestre. Ça me choque pas du tout. Ah c'est bon quelque chose qui me touche énormément. Moi, j'aimerais pas mon ref. Hein. On me rappelle. Ah, c'est très simple, là. Effectivement, on a pris un chemin très, très simple. Hein. Parce qu'il y a dans 2 ans, comme ça, on est bon. Il va mettre un rappel tous les jours qu'il faut la marier pendant 2 ans. Non, mais frère, va-t'en. Comme ça, on se marie, on fait des enfants. Hein. Ah ouais. Non, ça laisse le temps de vivre ensemble. Ça laisse le temps de partir. Ça hein. laisse le temps d'apprendre à se découvrir. Oui, après, il a raison en soi. Il peut dire oui, voilà, et effectivement. Bon, on lui aurait dit on se marie la semaine prochaine. En vrai, ça n'engage à rien. Et puis de préparer. Donc accélère. Je veux dire, un matin, tu dis ok, Google, supprime le mariage dans 2 ans. Et c'est bon, tu vois, il n'y a plus de rappel. Hein. Donc là, je te propose. Bon, mais c'est bon, ça match là. Hein. De monsieur. Bah, il va la prendre la clé. Hein. Il est obligé de se marier avec toi dans 2 ans. T'inquiète, il va monter. Dire, oui, hein. Bien sûr que je veux. Pour la nuit, pas pour la nuit. Ça sera pas pour la nuit. Très bien. Waouh, mais on dirait qu'elle dresse son chien. Eh, on donne la patte. Il n'y a pas la friandise. On donne la patte, sinon il n'y a pas la friandise. Bip, 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 bip. Je t'aime. Je t'aime aussi. Alors, quand il me dit je t'aime, on l'a. Alors, s'il se foudroie pas ce soir, je suis un caniche albanais, hein, je vous le dis. Je me rends compte que c'est la femme que j'aime et avec qui je veux faire ma vie. Oh là là, ouais, bah écoutez, c'est un coup de foudre, hein. Oh. C'est un coup de foudre, hein. Tu m'en as marre. Par contre, les amis, hein, si à la fin de l'émission, on apprend qu'ils sont séparés, je hurle. Vous m'avez entendu, je hurle. Tu m'es pas dit qu'en ce moment. Vous pensez qu'il fait partie des gens qui regardent mon stream à 12h30? T'es sans emploi, je dis en ce moment, je travaille. Parce qu'elle a un bon travail, elle a fait des longues études, etc. Moi, j'arrive, je dis, oh, ça va, moi, je suis sans emploi et t'es jolie. Bah, je pense qu'elle m'aurait pas parlé. Ah, il est sans. À la recherche d'un emploi. Est-ce que c'était écrit depuis le début? Non. Non, non, il avait pas dit. Je travaille pas, genre. Ça va, tu le prends bien. Oui, tu m'as fait peur. Depuis le départ, je dis que la sincérité, c'est primordial. Mais qu'est-ce qu'il lui a raconté? Moi, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'il lui a dit pour pas lui dire qu'il était au chômage. Que la loyauté aussi. Sauf qu'au final, je n'avais pas tout dit, moi. Et donc, du coup, moi, je suis monté dans ma chambre. Donc, ben, ça, c'est la clé de ma chambre. D'accord. Je veux qu'on discute plus ou... Voilà, qu'on reste un petit peu ensemble. En plus, j'ai touché mon chômage hier, donc si tu veux, on peut faire un petit tour de bateau à Marseille, j'ai les fonds. Elle, je sais pas vraiment ce qu'elle pense dans sa tête, si ça y est, son choix est... Non, mais la juriste et le chômeur, on dirait une fable de La Fontaine, un peu. Hein. L'effet ou non. Il y a un vrai truc à faire, hein. Ah, ça. Elle est là. Je vais voir rentrer et je suis content. Attends. J'ai qu'une envie de la prendre dans mes bras, mais au final, pas fini. Du tout. Vérifie. Je veux pas qu'on se mente, en fait. Ouais. Je veux plus. Donc je t'en veux pas vraiment, je t'en tiens par rigueur, sinon je serais pas là, tu vois. Ok, ça va, on a une petite frayeur. Est-ce que j'ai le droit à un gâté? Oui, t'as le droit. Un gâté.
Est-ce que j'ai droit à une gâtée, ma gâtée? Dylan et Sidney sont toujours ensemble. Oh, ils prennent le temps de bâtir une relation basée sur la confiance et la sincérité. Moi, j'ai très peur pour l'autre. Hein. Alors, entre nous, ça se passe très très bien, on s'entend très bien. Jesse et Sophia ont décidé de rester amis. Ouais, bah ça, on savait, on avait compris. Hein. Peur, Sophia n'a pas voulu prendre le risque de démarrer une relation amoureuse avec le chanteur. C'est compliqué pour elle et pour moi. On est là, on reste en... Par contre, les gens qui mettent des chapeaux en intérieur, j'ai jamais compris le concept. Je suis toujours à la recherche de l'amour. Quant à Or... Avec beaucoup d'émotion, elle a dit ça une fois de plus. Hein. Alors là, les amis. Là, c'est le moment de vérité. Hein. Non, là, c'est bon, on rigole et tout, mais là, c'est le moment de vérité. Hein. Orlan et Kevin, ils ont poursuivi leur conte de fées dans le monde réel. Après des semaines de vie commune à préparer leur union... Malheureusement, la jeune femme a découvert des choses qui lui ont brisé le cœur. Oh, l'ascenseur émotionnel! Oh, la clim! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a caché? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Comme vous pouvez le constater, je suis seule ce soir. Il n'est plus présent. On a vécu un mois incroyable après l'émission. Il y avait vraiment de l'amour et les sentiments étaient vraiment forts et réels. Malheureusement, plein de rebondissements et je me suis totalement trompée. Ce qui peut arriver... Et du coup, je souhaite tout le bonheur du monde avec qui il veut, mais plus avec moi. Il a pris ses caleçons sales et hors de ma vue. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, hein? Non, il a foudroyé à tout va, je pense. Hein. Non, mais elle a cité du Wesh Den pour sa fin de relation alors qu'il voulait se marier, c'est une catastrophe. Il a déplacé la date du mariage, je pense que c'est ça. Je vous dis, il a supprimé dans son téléphone la date du mariage, c'est sûr. Aïe. Pour de nouvelles histoires d'amour virtuel. Eh ben. Qui n'attendent qu'une rencontre pour devenir réelle. Je le sentais venir, les frères. Non, je vous le dis, je le sentais venir. Allez, hurle maintenant. Voilà. J'avais dit que j'hurlerais, je vous ai fait le cri du corbeau. J'espère que celui-ci vous plaît.